À quoi ça sert une amie? Bah, une amie, ça sert quand t'es triste, elle va essayer de te consoler, tu peux lui confier des trucs. C'est quelqu'un qui reste souvent avec toi, bah, qui te lâche pas trop, enfin, qui croit en toi un peu. Ils ont un peu les mêmes ressentis que moi et du coup, bah, ça fait qu'on se sent mieux et qu'on se comprend mieux et voilà. Quel est le rôle d'un ami? Bah, genre, si par exemple, t'as besoin de quelque chose, tu vas. Par exemple, tu vas lui dire désolé, est-ce que tu pourrais me prêter par exemple du savon ou je sais pas moi, mais. Donc, à un ami, on peut lui demander du savon, c'est ça? Mais non, mais. Tu ferais quoi, toi, pour un ami, pour aider un ami? Bah, par exemple, dans mon ancienne école, il y avait un ami qui se faisait embêter par des grands et je l'aidais et au bout d'un moment, ça a fini par se calmer. Est-ce que des efforts sont nécessaires pour garder une amitié? Bah oui, c'est comme un objet, tu t'en prends soin pour la garder. Il y a des amis après qui demandent plus d'attention ou de choses comme ça, mais autrement, il faut toujours faire des efforts pour garder des amis. Que faut-il faire pour les garder? Rester naturel. Et pour les garder, il faut faire quelque chose, faut faire des efforts? Bah, faut rester gentil, faut leur souhaiter leur anniversaire. Comment tu réagis, toi, lorsque tu te disputes avec un ami? Bah, d'un côté, je suis en colère. Et d'un côté, enfin, j'ai peur de perdre mes amis. Je me sens un peu coupable, on va dire, parce que je me dis, si jamais je le perds, c'est de ma faute. On dit souvent qu'il y a plus de disputes entre copines qu'entre copains, c'est vrai ça? Oui, ouais. Et pourquoi? Les filles ont des caractères de cochon, on va dire. Et du coup, bah, quand on est amis, bah, des fois, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Et du coup, bah, ça va créer une dispute. L'amitié entre filles, on dit quelquefois, c'est plus compliqué. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est pas vrai. Les garçons, on les voit souvent se batailler, faire de la guerre et pas nous. L'amitié entre filles, c'est plus compliqué que l'amitié entre garçons? Je dirais limite que c'est un préjugé, ça. Quelle est la différence entre un ami et un copain? Bah, un ami, c'est vraiment quelqu'un à qui tu pourrais confier des secrets. Quelqu'un que t'aimes vraiment, que tu tiens vraiment à lui. Alors qu'un copain, bah, enfin, tu tiens aussi à lui, mais peut-être un petit peu moins quand même. Toi, t'as jamais répété un secret? Bah, je sais pas si ça m'est arrivé en vrai, j'en souviens plus. Ouais. En fait, un ami, c'est de longue date, alors qu'un copain, ça va être provisoire. Un copain, on va pas dire tester, mais je vais pas me confier à lui direct. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe du statut de copain à celui d'ami? Y a un examen? Non, y a pas forcément un examen, mais faut que le temps passe. Parce que je veux pas faire « Oh tiens, t'es mon meilleur ami pour la vie », alors qu'on s'est vu que 2 minutes. Quel genre de secret tu confies, toi? Bah, un peu tout. C'est-à-dire? Enfin, par exemple, là, ce matin, j'ai dit que j'étais contente parce que mes parents, ils peuvent m'acheter des chaussures. Ah, ça, c'est des grands secrets, ça. Pourquoi c'est plus facile de confier un secret à ses amis qu'à ses parents, par exemple? Bah, tes parents, ils vont un peu t'embêter. Ils vont te demander « Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ?» et tout ça. Que les amis, ils vont dire quoi, eux? Bah, ils vont rien dire, parce que, je pense qu'ils ont déjà été dans la même situation. Des fois, ta famille, elle te comprend pas tout le temps. Ta famille, t'es aussi proche, mais aussi tes amis, t'es proche. Bah, à moitié, mes amis, c'est ma famille, à moitié, ma deuxième famille, parce que j'aime beaucoup mes amis. Et c'est plus facile de parler à une amie qu'à ses parents, par exemple? Oui. Pourquoi? Parce que les parents, ils vont plus nous énerver et dire « Oh, il a l'air mignon celui-là, c'est lui, un tel et tout. » C'est un peu énervant, quoi. Oh, les parents, ils embêtent pas trop les enfants, quand même. Bah si. Quand j'ai tué une copine, par exemple, à la plage, des fois, on se fait des copines, bah, les parents, ils vont nous coller et dire « Tu t'es fait une copine? Ah, c'est bien, dis donc. » Non, mais c'est notre vie, quoi. Laissez-nous.